Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo Apprendre un morceau avec guitare-facile.fr. Au programme, la partie 2 du thème de la série Game of Thrones. On a déjà fait sur la partie 1 la partie accompagnement à la guitare folk avec les accords. Et ben là, on va voir la mélodie à la guitare électrique. La tablature est dans la description si vous voulez l'imprimer. Même je vous conseille de l'imprimer pour bien travailler tout ça. Et ben c'est parti, on va dégrossir le morceau. Alors, on va démarrer sur la corde de la en 10e case avec l'annulaire, le doigt 3. Après, 8e case, corde de mi. Et après, on va faire la fameuse variation qu'on va voir beaucoup dans le morceau, c'est-à-dire qu'on va faire 6, 8, 10 avec les doigts 1, 2 et 4. Le doigt 1, 2, ça sera un hammer avec un coup vers le bas au médiator. Et le 4, donc la 10e case, ça sera un coup vers le haut. Donc si je fais le début, il va falloir que je compte. Ah oui, j'ai oublié de dire, il faut compter en 3 ce morceau. Donc ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après, on va chercher la 8e case sur la corde de mi. Après, on va faire... Pour être avec les bons doigts. Et on va chercher, au lieu de chercher le 10, corde de... là, on va le chercher corde de mi. Donc ça va faire... Si je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Je recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Et donc on finit 10e case, corde de mi. Ensuite on va faire 10e case, corde de la. Et on va avoir la même chose qu'on vient de voir en faisant. Voilà, je vais y arriver. 8, 10 et 12 sur corde de Ré avec un rebond sur la corde de La en 10e case. Donc si je fais l'un à la suite de l'autre, 2, 3, 2, 3. Ensuite, on va faire 8e case, corde de La. 6e case. Et là, on va faire un peu la même chose que d'habitude, sauf qu'on va faire cette fois-ci, on va faire un pulling à la place du hammer. C'est-à-dire qu'on va faire 6-5 sur corde de là. Et on va chercher le 8. Et le 8, corde de mi. Donc ça va faire 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3. Et après, notre fameuse petite mélodie, 6, 8, 10 sur corde de Ré avec un rebond 8e case, corde de La. Ça fait. On va faire exactement la même chose une deuxième fois, il y a juste la fin qui change. 2, 3, 2, 3. Deux, trois, deux, trois, deux, deux, trois. Et là, au lieu d'aller chercher le rebond en 8e case, corde de La, on va chercher en 5e case, corde de Ré. Et ensuite, on va faire la partie suivante. La partie suivante, on va monter en 2e case, corde de Sol. Ensuite, 10e case, corde de Ré. Et on va faire notre petit thème habituel en faisant 8, 10, 12 avec le rebond sur la 10e case corde de Ré. Et ensuite on va faire 12e corde de Ré, 12e corde de Sol et après on va faire 11, 13, 15 avec rebond sur la 12e case. Ensuite, on va faire 12e case, corde de Sol. Et attention, petit rythme sympa, on va faire 7, 8. 7, 8, corde de Ré. Donc, on était sur la corde de Sol avant. Et ensuite, on va jusqu'à la 10e case, corde de Ré. Donc, ça va faire 2, 3, 2, 3. Et après, on va chercher la 12e case corde de Sol. Je vais y arriver. Juste sur le
Il va se compter un peu différemment que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va jusque... on va faire 1, 2 et 1. En gros, c'est 3 croches pour le premier coup, 3 croches pour le deuxième. C'est des noirs pointés. Donc c'est un rythme qui va être un petit peu différent. Et après, on va faire 12e case. Et avec notre petite mélodie, sur case 9, 12, 9, 11 et 13, corde de si. Avec rebond, corde de sol 12. Après, moment un petit peu plus calme, où on va faire 13e case, corde de si. Et on va compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 11e case, 1, 2, 3, 1, 2, 3, corde de ré, 10e case, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le sol, 12e case, 2, 3, 1, 2, 3, le la, 11e case, 2, 3, 1, 2, 3, 13e corde de ré, 1, 2, 3 seulement, ensuite on va faire 12e, 2, 3, et on va juste faire la 10e case. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, on a exactement la même chose. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Et une fois qu'on a fait ça, il va falloir, avec l'index, slider en 15e case. Et faire notre petite phrase habituelle, mais cette fois-ci en 16e, 18 et 20, avec un rebond sur la 15. Voilà, et ben je vous ai à peu près montré tout ce qu'il fallait. On utilise beaucoup la tablature pour se souvenir. Il y a bien sûr la démo pour voir à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à venir faire un petit coucou sur Tipeee pour m'aider à faire des vidéos. Ben voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est à vous, travaillez bien. Ciao !